Bonjour, alors comme vous avez pu voir, l'étoile mystérieuse est entièrement dévoilée. Et bon, alors ce que j'aime bien par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est qu'ils ont mis Arnaud Ducret avec la barbe juste pour essayer qu'il ne voit pas qui est dans l'étoile mystérieuse. Mais hier, on a bien vu qu'il l'avait reconnu. Bon, donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, donc l'étoile ne sera dévoilée que mardi. Donc n'appelez pas aujourd'hui, si vous voulez, vous appelez demain matin, et puis de toute façon, comme vous le savez, vous pouvez vous faire rembourser. Non, par contre, voilà, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Regardez bien sa tête, est-ce que vous le reconnaissez? En plus, bon, c'est con ce que je dis, parce qu'il y a son nom dans l'étoile. Oui, parce que je voulais faire l'étoile mystérieuse, mais bon, il y a le nom qui est écrit sur l'étoile. Eh oui, c'est Macaulay Culkin. Voilà, donc c'est Maman, j'ai raté l'avion, qui a eu ce week-end son étoile sur Hollywood Boulevard. Alors, qu'est-ce qui devient ce Macaulay Culkin? Eh bien, bah, pas grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'il fait encore des petites apparitions dans des films, dans des séries, etc. Mais bon, alors j'ai appris un truc assez incroyable, c'est qu'il a été en couple avec Mila Kunis. Ah ben, elle est trop belle. Bon, bah c'est pas grave, donc bon, bah voilà, donc maintenant il a eu son étoile sur Hollywood Boulevard, et il est en couple avec une actrice qui s'appelle Brenda Song, avec qui il a des enfants. Et la carrière de cet acteur me fait penser à Patrick Hernandez, c'est-à-dire qu'il a fait un truc dans sa vie. Et c'est tout, voilà. Donc Patrick Hernandez, Born to be Alive. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.